Salut, salut les amis, c'est Fut4Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe DCE Live avec le défi montrer l'exemple pour récupérer un pack méga rare non échangeable. Avant tout les amis, je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait les grosses affiches d'hier, celles qui étaient prévues jeudi soir mais qui sont sorties vendredi après-midi. Alors je ne sais pas si c'est pour se faire pardonner, je ne sais pas ce que vous avez eu dans les récompenses, mais je vous invite à aller voir ce que j'ai eu dans mes récompenses à moi. Voilà, j'étais à 290 000, je crois, je suis à 610 000. Je vous invite à voir ce que j'ai eu dans les grosses affiches. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'aussi jolis trucs. Voilà, il n'y a rien de ouf, sinon j'aurais des millions, mais franchement, c'était pas mal. Donc, je vous invite à aller voir ça. C'est à la fin de la vidéo, il y a le lien pour les grosses affiches. Donc, on va parler de ce qui nous intéresse, la solution la moins chère. C'est un grand mot, la moins chère, les amis, pour montrer l'exemple. Donc, les amis, pour ce défi-là, il fallait 3 joueurs premiers détenteurs. Donc, il y a 2 solutions pour vous. Soit vous prenez 3 joueurs détenteurs du même championnat et vous comblez avec tout du même championnat. Soit vous avez pas beaucoup de joueurs premiers détenteurs. Et là, les amis, il va falloir faire un choix. En gros, vous mettez les premiers détenteurs au bon poste. Mais il faut qu'il soit que d'un côté, vous voyez, soit à côté droit, soit à côté gauche. Moi, j'ai mis 3 joueurs premiers détenteurs qui n'ont rien à voir avec le reste. Vous voyez, un DC, un ND et un AD. Ces 3 joueurs premiers détenteurs, ils sont non vendables, donc on n'en parle plus. Il fallait 4 pays minimum, on en a déjà 3 là, différentes, on a 3 nationalités différentes. Donc je me suis permis de faire le championnat espagnol qu'avec des Espagnols. 3 joueurs de même club maximum, ça on s'en fout un peu. 6 joueurs rares, donc c'est pareil si vous avez des premiers détenteurs. À vous de voir, vous pouvez jongler entre les rares et les non rares. Vous faites au mieux. Moi je vous conseille, si vous avez par exemple des premiers détenteurs du top 5, franchement ne vous prenez pas la tête. Vous mettez vos premiers détenteurs au poste ou au meilleur poste qui peuvent être de leur championnat et vous continuez avec le même championnat. Juste vous respectez les 3 clubs et 3 joueurs d'un même club maximum et les 4 pays différents. Et ça sera tout. La note, bien entendu, 78, le collectif. Si vous faites tout du même championnat, vous l'aurez tranquille. Donc voilà, c'est vraiment ce que moi je vous propose. Après, vous faites comme vous le sentez. Donc, ce défi-là coûte environ... Déjà, on enlève 3 joueurs premiers détenteurs, on est d'accord. Donc sur les 8 joueurs, en gros, ça coûte... Allez, 8 x 8, 64, allez, 7-8 000 crédits pour les 8 joueurs. Allez les amis, on commence avec Heitor Fernandez. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes joueurs que moi, vous prenez tout ce qui passe. Respectez juste le nombre de nationalités minimum, c'est-à-dire 4. 3 joueurs de même club maximum, le nombre de joueurs rares et info 6. Et vous prenez tout du même championnat. Aaron Long, German, Mario Hermoso, Noni Madueke, Pedri, Luis Milla, Moy Gomez, Jérémy Doku, Iñaki Williams et on termine avec Nolito. Allez, on se met l'équipe, on va aller ouvrir notre pack méga rare. Donc 8000 crédits pour un pack à 55 000, pardon, ouais, c'est 55 000 le pack méga rare. Franchement, ça reste bon. Allez, c'est parti. Pack méga rare. Montrer l'exemple. Petit anime. BU Voland. Ah non, c'est Werner. Ah. L'habitude de Voland, c'est Werner. Donc, c'est pas ouf. On envoie tout ça au club. Un pack de prêt. Et Soul en non vendable. On va dégager ça. On va ouvrir notre pack de prêt. On aura sûrement un. Comment ça s'appelle? On aura sûrement un pack de prévisualisation. Ok, ça, ça dégage. Ginter, ok, allez, on verra ça plus tard. Et on va aller faire notre pack, hop, pack or, on va voir l'aperçu. Et puis on sera bon les amis, c'est parti. Allez, petit anime, ça c'est bon à savoir, français, MG, c'est Thomas Lemar, avec un MGAG, non, je le prends pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant les amis, prenez bien soin de vous. Ciao et merci.